Précédemment, dans Chain of Memories. Il y avait quelque chose. Sora! Bonjour, Ranu. Dans ce lieu, trouver c'est perdre, et perdre c'est trouver. Boum! Une carte! Continue comme ça et tu finiras en chair à son cœur. Oh, mais qui est ce personnage mystérieux encore une fois? Bonjour! Léon, c'est toi? C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Bonjour! J'ai oublié ton nom. Yuffie, tu sais comment je m'appelle? Non, inconnu au bataillon. Pourtant, je sais comment il s'appelle. Tiens, j'ai trouvé ça par terre. Prends-la. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, pour le deuxième épisode de Kingdom Hearts Chain of Memories. Donc précédemment dans les épisodes précédents, la voix off et la vidéo l'a bien précisé, enfin la voix off, oui, enfin, bref, vous avez compris. Bref, on se retrouve pour le deuxième épisode de Kingdom Hearts Chain of Memories. Alors, qu'a mis du temps arrivé, je suis conscient. Mais bon, disons que cette vidéo a été ma source problème numéro 1. Il s'est passé beaucoup de trucs avec cette vidéo. J'ai testé des trucs avec. Il n'y a aucun sous-entendu avec cette phrase. J'ai testé des trucs avec Audacity, j'ai testé des trucs avec Camtasia, bref, j'ai fait plein de trucs avec cette vidéo. Et malheureusement, je me suis complètement foiré. Et donc là, je reste avec le bon action quotidien. Simplement parce que c'est la forme. Donc bref, aussi, cette vidéo avait déjà été filmée, donc j'ai dû recommencer ma partie. Vous inquiétez pas, tout a été fait comme il faut. D'ailleurs, je crois que mon jeu a été bien mis... Bien mis comme il faut, oui. Hop, normalement je peux même mettre une carte supplémentaire. En mettant Simba. Oui, j'ai eu des soins. Et ça, je vais l'utiliser. Des potions. Mais par contre, je vais mettre... Ah d'accord, Simba, c'est trop déjà. Bon, on va attendre le level up. Hein? À moins que je puisse mettre un... Même pas! Bah écoutez, on va enlever les 1 et les 2. Parce que les 1 et les 2... C'est déjà trop, hein. On va mettre Simba. What? Même Simba, là, c'est déjà trop. Bon, bah, écoutez, on va remettre. Ah, d'accord, c'est parce que j'ai déjà mis le soin. Bah, écoute, je le conçois. Bref, j'ai compris. C'est pas bon. Cette vidéo commence très bien, vous pouvez le voir, hein. Hop, règlement de carte au début de la vidéo, hein, parce que c'est la beauté de la chose. Donc comme ça, on va pouvoir faire un soin plus, voilà, comme ça, vous êtes maintenant fixé. Je vous montrerai le soin plus si j'en ai vraiment besoin. Je crois de toute façon que vous l'avez déjà vu avec Donald, ouais, je crois. Enfin bref. Donc la salle aussi, ici aussi a changé. Donc pour vous montrer aussi en même temps que les salles sont pas prédestinées, hein, c'est les salles changent selon les cartes et changent même tout le temps, j'ai envie de dire. Hop. En même temps j'essaye de voir s'il n'y a pas des trucs que je puisse débloquer. Donc des points de vie. Et donc on avait fini aussi cette salle. La salle numéro 3. Une chaîne royale qui sert pas à grand chose pour l'instant. Généralement les cartes qu'on récupère dans les mondes, c'est des chaînes royales. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte, mais j'avais fini le scénario ici. Ah oui, donc en fait il y a une salle où j'ai pas avancé. J'en étais peut-être à là pour finir. Oui, j'en étais à là. Je suis complètement paumé dans les salles. Donc je vais vous montrer quelques cartes que je vous ai pas montrées dans l'épisode précédent. Donc on a eu des liens groudants, bien sûr. Des liens grouillants. D'ailleurs, on va aller voir le carnet de Jiminy. Donc dans cette vidéo, je vais finir la ville de traverse, hein, simplement.
Alors, attends. D'accord, oui, j'avais rien lu. Parce que d'un coup, oui, je vous ai dit, j'ai dû recommencer ma partie parce que, voilà. J'avais pas trop le choix vu que la vidéo que j'avais essayé de faire avait foiré. Alors, ce qu'on a vu ici, je crois pas. Rugissement qui endommage les ennemis placés devant. Si tu en stockes plus d'une carte, l'ennemi sera aussi assommé. Donc voilà. Carte objet, potion, on a déjà vu. Carte alliée Donald Dingo, on a. Carte lieu paisible, on a vu. Grouillant, lieu infecté de sang cœur. Les adversaires perdent souvent leur carte malus. Donc ça peut être très pratique. On en fera une dans cette vidéo. Et en gros, ce que j'ai avec les cartes grouillant, j'en ferai sûrement que en hors vidéo parce que les salles, vous verrez bien de toute façon dans ces vidéos, sont longues. Sont très longues parce qu'il y a beaucoup de combats. Et donc, voilà. Lieu molasson. Nombre sans cœur aux faibles cartes. Voilà. Et lieu assoupi, je crois qu'on avait déjà vu. On a encore des cartes de lieu. Bah oui, la. Terre d'amitié. On a déjà vu. Espace sécurisant pour le point de sauvegarde. Clé d'ouverture, on l'a déjà vu. Clé conseillère. Une découverte t'attend. Donc, on va découvrir quelque chose. Personnage 1. Ok, on va faire comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu Simba? Je ne crois pas. Successeur de son père en tant que roi de la Terre des Lions. Sora n'a qu'à appeler et Simba apparaîtra pour lui offrir sa force. Hop, normalement, je n'ai plus rien. Les 100 cœurs. Alors, on a déjà vu. Et c'est tout. Bref, on y va. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer... le lieu molasson. C'est parti. Donc c'est des ennemis aux faibles cartes ici. Hop, c'est parti. Alors je sens que cette vidéo ça va me remettre un lieu grouillant. Ah c'est cool ça. C'est cool pour moi. Donc je sens que cette vidéo ça va me redonner envie de faire des vidéos KH parce que je vais vous avouer que ça j'avais essayé plein de trucs de mon côté et donc ça m'a franchement découragé à faire cette vidéo, je vous l'avouer. Mais bon, le Lucky Défi ainsi que cette vidéo, je sens que ça va me redonner envie de refaire des vidéos sur KH. Et c'est ce que j'espère franchement. Allez, récupère. Oh, des lieux grouillants. Décidément, on récupère plein de lieux grouillants. Je suis pas contre, personnellement. Hop, viens la dingo. Et écoute, on va... je ne pensais pas que j'allais réussir à t'utiliser, dingo, mais... écoute, c'est cool. Une terre d'amitié. On va monter. Alors là, c'est pour la suite de l'histoire. Et là, on a la porte pour une prochaine salle. Hop, on récupère dingo. Dingo, mais va-t'en. Une carte dingo 8. Mais que demande le peuple? Écoutez, moi je dis on fonce dans le tas. Alors je pense que c'est une attaque plus puissante. L'attaque avec deux dingo. Alors les molassons, level up. Cette fois je mets le booster PC. Et on va les mettre tout de suite. Simba. Est-ce qu'on peut mettre aussi... Non, là c'est déjà beaucoup trop. Je peux garder la 3? Oui, je peux garder la 3. Non. Alors, je mets Simba ici. Et là, zut. Si vous me direz, hop, voilà. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que Simba dans un combat. Allez, sans cœur, venez. Voilà. Donc je vais essayer d'avoir Simba. Donc Simba, voilà, il attaque que ceux qui sont du côté où il se pointe. En gros, c'est un peu ça l'idée. Bon, attendez, je vais essayer d'avoir déjà Donald. Boum, ça c'est fait. Merci Donald. Alors on voit bien que c'est des... qu'ils sont des faibles cartes parce qu'ils ont des cartes de une, hein, j'ai l'impression. Encore un lieu grouillant, décidément. Est-ce qu'on aurait fini la salle?
Alors, on va aller voir la carte, le plan. Donc il nous reste une. Alors attendez, une. Et là c'est simple, on peut y aller. Bah écoutez, on va tout de suite continuer. Vous savez quoi, on va finir. Non, on va continuer l'histoire, parce que j'ai envie de continuer l'histoire, tiens, hop, voilà. Donc là, il faut une carte de 3, sachant qu'on a plein de grouillants, on va en prendre une, et on va prendre la clé conseillère. Donc, si vous vous souvenez bien, on va découvrir quelque chose. Bonjour Yuffie et Airi. Bonjour Airi, qu'on vient de découvrir, de rencontrer plutôt, pour la première fois dans le jeu. Airi, ne me dis pas que tu m'as oublié toi aussi. Ça veut dire oui, je crois ça. J'hésite encore entre ravi de te rencontrer et ravi de te revoir. Les deux conviennent ? Non, je crois pas. Si tu connais quelqu'un et que tu lui dis ravi de te connaître, voilà. Et si tu dis ravi de te revoir, quelqu'un que tu connais pas, ça va plutôt le gêner, je pense. Bref, continuons. Je ne crois pas te connaître, mais quelque chose me dit que tu as ta place ici. Bah oui, c'est normal. Yuffie avec cette tête de psychopathe. Yuffie, elle a une tête de psychopathe dans ce jeu, c'est épique. Oui, on s'est jamais vu, mais bizarrement, ça me ferait normal de connaître son nom. Puisque je vous ai qu'on se connaît, on a vaincu les sans-coeur ensemble. On faisait équipe. Je sais que tu dis la vérité, mais je ne m'en rappelle pas. C'est triste, Léon. Alors, tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit? Dans la forteresse oubliée, quand j'ai scellé la serrure. Oui, donc, pour rappel, il y aura un peu de spoil, hein, de cache, hein, dans ce jeu. Voilà, ça c'est dit. Donc là, Sora, Donna Dingo se retrouve juste après la forteresse oubliée. Hein. Là, c'est limite s'ils enchaînent pas leur aventure d'un coup, là. Hop. Donc il a scellé la serrure des ténèbres, hein, je vous rappelle. On ne se reverra peut-être jamais. Mais on ne s'oubliera jamais. Voilà, c'est exactement ça. Je crois que c'est exactement ce qu'il dit dans le jeu en plus. Donc machin. Tu vois, tu t'en souviens. Oui, mais bon. Il a raison, Léon. Je me souviens que tu as dit ça. Donc ce n'est pas une simple coïncidence. Qu'il dis-tu, mon cher Léon? Je n'en ai aucun souvenir, et pourtant je me rappelle quelque chose. Peut-être que le cœur de Sora s'en souvient pour nous. Ben oui, c'est un petit peu basé sur ses souvenirs, hein, tu me diras. Hein. Comment c'est possible? Nous te connaissons pas. Pas Sora. Mais ton cœur est plein d'images de nous. Ces souvenirs doivent aussi résonner dans nos cœurs. Oui, c'est les souvenirs de Sora, c'est ce que je viens de dire. Et ils nous communiquent peut-être des informations. Tu sous-entends que la mémoire de Sora agit sur la nôtre? Oui, c'est avec la mémoire de Sora, voilà, c'est tout. Ces souvenirs semblent avoir un certain pouvoir. Bienvenue dans le mois noir Oblivion, Airi. C'est peut-être ce que voulait dire l'autre type, voilà. Cette ville n'est qu'une illusion, un mirage créé par mes souvenirs. Voilà, c'est ce que je disais. Et bim, ce bruit. Et il y a une personne à laquelle tu tiens dans cette ville. Et bim. Mais comment? Ah, j'ai compris. Tu sais ça car mes souvenirs résonnent dans ton cœur. C'est vrai, l'un de mes amis est quelque part dans cette ville. Non, c'est pas très vrai, mais bon. Je veux dire, dans le manoir Oblivion. Voilà, c'est surtout ça. Quoique, on ne sait même pas si Riku est là, parce qu'il dit ça, mais il suppose que le roi et Riku sont là. Le manoir Oblivion? Mais il n'y a pas de château dans la ville de Traverse. Et bim, tu t'es fait avoir, Sora. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Sora se pose sûrement des questions, non? Oui. Ah, tu m'étonnes en même temps. C'est pas comme si vous l'avez oublié, hein. Alors que vous l'avez vu il y a quoi? Bah, il n'y a pas longtemps. Oui, nous venons d'arriver. On ferait bien de visiter les lieux. Faites un tour en ville. Vous croiserez des sans-coeurs. Mais c'est pas ça qui vous arrêtera. Bah non, on vient d'en éliminer plein là. Donc. Tu sais donc que je peux me battre? Oui, hein, référence cash 1, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont réussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
Je ne peux pas dire que je m'en souviens, mais je commence à y croire. Et voilà. Ça peut pas être qu'une simple coïncidence, j'ai envie de dire. Alors, donc déjà, on a des noms du truc dans le journal. Dans le journal, bien sûr. Dans le journal, avec la, une nouvelle carte lieu. Et la dernière des mondes, enfin du mode histoire, on va dire, de chaque monde, la clé Hérédicte. Une révélation t'attend. Voilà. Donc on aura une révélation quand on arrivera ici. Alors. Alors attendez, parce que là je vais vérifier un truc dans le plan. Si j'ai bien suivi, ce sera l'une des dernières salles qu'on visitera. Donc. Arrête. Mais. Allez. On va aller faire un lieu rouillant. Allez, une 8. Ah ah, c'était nul comme blague. Bref, un lieu brouillant, ça va être long, je le sens. C'est parti. Alors c'est des sans-cœurs qui sont assez forts aussi, je tiens à préciser. Mais pas assez fort pour Sora. Qui est nul face au pouvoir de Sora. Et de la Keyblade. Alors ça c'était nul. C'était complètement nul de ma part. Hop. C'est parti. Allez. Bim, un lieu grouillant. Hein. On aime ça, écoutez. J'ai absolument rien. Là, il y a des PV, ça me sert à rien pour l'instant. Voyez-moi, c'est cette tonne de sang-cœur, quoi. C'est épique. Mais pour l'instant, on n'a aucune carte malus. J'aimerais bien en avoir. Parce que je vous avoue qu'elles sont très utiles. Et bim, voilà. Je veux Dingo. Ah bah c'est bravo. Bravo. Bon, je dois me soigner. C'est parti. Voilà. Un lieu assoupi. D'ailleurs, je vous ai pas montré lieu assoupi. Je vais vous montrer un lieu molasson, mais pas lieu assoupi. Hop, et on a toujours pas de carte malus, hein. Je suis en train de tilter. Bon bah ça c'était au moins court comme combat. Au moins un level up avant la fin. Enfin avant, avant que tous les sangs que j'ai battu un nombre suffisant de sang cœur. Ah, mais je croyais que j'avais récupéré Dingo. Ah bah bravo Dingo, ça m'aide. Aïe aïe aïe. Bah évidemment ça te fait rien toi. Hop. C'est puissant hein. Vous pouvez le voir. Oh oui, 45 quand même. On va devoir attendre pour faire un level up. Bref. Bim, ça c'est fait. Allez. Ah. Viens ici, toi. Oh comment je te les one shot. Le machin il a rien compris quoi, t'sais. Je suis arrivé, j'ai fait coucou à la façon Simba, il est mort. Il a rien compris. Il a vécu, il a même pas le temps de dire quoi que ce soit quoi. Ah bah ça j'aime bien Dingo. Élimine-moi ce sans cœur. Merci Dingo. Un dieu malasson. Décidément on aime bien cet endroit hein. Donc ça va, enfin, comme vous pouvez voir, ça va m'être extrêmement utile pour faire du level up. Surtout qu'on va en avoir extrêmement besoin. Pour les combats futurs, je parle. Hein. Est-ce que Donald va réussir à faire quelque chose? Même pas. Ouh. Donc pour les combats futurs, hein, faut vraiment faire du level upping. Hein. Ouh. Dans le prochain combat, il y a level up, les gens. On va monter. Et que des ombres. Et toujours pas de carte malus. C'est triste. Hop, level up. Toujours pas de carte malus. Surtout que eux, ça me servirait très bien parce que leurs cartes malus me permettront d'améliorer mes attaques.
les attaques glace, enfin mes sorts de petite glace, tu es très doué. Mais alors là, Donald, tu es champion là. Champion du monde de visée quoi. Hop, un lieu paisible. Donc level up. Et je vais augmenter encore les PC. Là, je suis dans ma période PC. Bon, on a déjà fini? Non. On a fini, sérieux? Bah écoutez, je suis content. On a fini un lieu grouillant assez rapidement, finalement. Je pensais qu'on allait mettre plus de temps que ça, mais non. Bah écoutez, je suis plutôt content. On va avoir fini ce monde plus rapide que prévu. Ou pas, finalement, parce que vu ce qui nous attend. Hop. Alors, bah écoutez, on a fini de visiter tout ce qu'on avait à visiter, je crois. À moins qu'il y ait quelque chose en haut. Une chaîne royale de niveau 6. Et une chaîne royale de niveau 2. Bref, on va modifier un petit peu le jeu de cartes, puisqu'on y est. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des chaînes royales. Faut absolument que j'en garde, faut que j'en rajoute aussi. Je vais en rajouter quelques-unes. Ah non, je suis en train de retirer des trucs là. Alors, est-ce que je peux rajouter? D'accord, je vois le nom de PC. Une de 3 au moins. Et une de 5. Parfait, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà. Hop. Donc j'ai une de 6. Hop. Hop. Et on rajoute celle de 3. Ça nous fera des chaînes royales en plus. Ce qui est fort pas mal. Bref. On va continuer l'histoire. Là, il faut une carte obligatoirement de niveau verte. Enfin, de type verte. Sachant que bah, on en a qu'une. Et on va prendre une 6 parce qu'on en a deux. Et là, la clé véridicte. Si ce logo vous dit quelque chose, bah vous savez ce qui va se passer. Bref. Bonjour. Eh bien, ça alors, c'est Sora. Oh, un personnage qui se souvient de nous? Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne te connais pas. Et bim! Mais tu as une tête à t'appeler Sora, avec tes cheveux épourrissés. Oh, pardon. Alors, messieurs, si vous avez les cheveux ébouriffés, si vous avez un pantalon large, si vous avez les cheveux ébouriffés et que vous avez un pantalon large, vous vous appelez Sora. Voilà, bienvenue à tous les Sora qui ont les cheveux ébouriffés et un pantalon large. C'est pour ça que je t'ai appelé comme ça. Bref, c'était épique. C'est pas grave, Siv. Sid. Siv, bien sûr. Je vais t'appeler lessive maintenant. Sid, la lessive des dieux. C'était nul. C'est pas grave, Sid. C'est bien mon nom. Tu as donc entendu parler de moi, ça ne m'étonne pas. Bah oui, il te connaît. Tu peux peut-être m'aider. L'un de mes amis est censé se trouver dans ce château, enfin dans cette ville. Ton ami, hein. On croise surtout des sans-cœurs dans le coin. Oui, on a remarqué, Sid. on peut pas faire un pass sans se faire attaquer. D'ailleurs, je crois que c'est le site de Final Fantasy X. Faudra me confirmer, mais je sais plus. Et sur cette place, c'est pire que tout. Oh, c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Il paraît que lorsque la cloche sonnera, un sans-cœur gigantesque surgira. Ouh, ça fait peur. Si tu veux sauver ta peau, tu ferais bien de filer. On a éliminé des sans-cœurs depuis le début, c'est pour ça qu'il va nous faire peur. Oh, il a peut-être raison. Vous voulez pas voir ce sans-cœur? Si. Non, on veut pas. Moi, je veux. Et bim, la cloche. La cloche. Ah, cette musique. Ah, elle est géniale. Sora, attention.
Et les gens, c'est parti pour le boss, le premier boss du jeu. Et let's go. Donc, le premier boss du jeu, donc l'armure gardienne de KH1, hein, qui, à mes souvenirs, protégeait la serrure. Dingo, je vais te garder, on sait jamais, je préfère autant te garder. Par contre, Donald, c'était une bonne carte, voilà, je vais te garder aussi. Hop. Ouh, toi je veux bien. Alors cette carte c'est très simple, je vais l'utiliser quand j'aurai toutes mes cartes, quand j'aurai des cartes utiles. Hop, par exemple, ici. Voilà. Donc ça permet, voilà, d'immobiliser l'ennemi pendant un moment. Oh, en plus il est tellement bien placé. Alors là, là tu t'es super bien placé, mec. Et j'aurais pas 3 dingos. J'ai 3 dingos. C'est parti. Voilà, donc quand on a 3 dingos, ça donne ceci. Ce qui est génial. Vous avouerez. Allez. Ah non, et là il me reste un coup à faire pour que j'élimine son bras, quoi. Bim. Merci Donald. Donc on cherche la carte. Est-ce que j'aurais pas une carte malus? Non. Donc il ne reste plus que le corps à éliminer. Aïe. Aïe. Aïe 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 aïe. Tu peux enlever ta carte? Tu serais gentil. Donc c'est la partie de son corps qui a le plus de vie. Hop. En même temps c'est son corps, tu me diras. Mais je peux pas. Ouh, foufou. On fait de la corde à sauter, c'est ça? Allez, non. Aïe, aïe, aïe. Bon, je gaspille toutes mes cartes, c'est épique. Oui. Non, kill de blaireau. Allez. Allez, il est presque terminé. Allez. Ouais. Et bim! Boss vaincu! Victory! C'était le premier boss avec la première carte malus pour nous. C'était le premier boss, donc c'était assez facile. Hein. Faut l'avouer que ce boss était facile. Il y aura des boss plus compliqués, hein, vous verrez. Hein. Alors, tu n'as pas trouvé ton ami? Non, je ne crois pas que je le trouverai dans cette ville. Mais il est quelque part dans ce château, j'en suis certain. Château? Cette ville serait dans un gigantesque château. Bon, c'est pareil. Hein. Ah, elle est bien bonne. Mais comme tu le dis, c'était. Sid, je crois qu'il a raison. On comprend pas tout, mais Sora y voit clair. Je vois une réalité au-delà de notre monde. J'aimerais en être si sûr. Bon, oh, t'inquiète, Sora. Ça va aller. Voilà, comme dit Léon, ça va aller, Sora. La réalité peut bien changer d'apparence. Tu t'en sortiras toujours. Je me souviens pas de toi, mais mon cœur te reconnaît. C'est le principal, j'ai envie de dire. Ou pas. En même temps, on est dans un KH, hein, faut s'en douter. Léon. Sois prudent, Sora. En tout cas, ta tête de psychopathe me manquera pas, hein, Yuffie. Hein. Ça, c'est le clair. C'est clair. Je comprends pas tout, mais bonne chance. En même temps, tu viens de nous rencontrer, Sid. Hein. Enfin, techniquement, tu viens de nous rencontrer. Au revoir. Au revoir, les amis. On vous revoit dans KH2. C'est un spoil, oui, complètement. Je l'assume. Je ferai bip au pire. Qu'y a-t-il? Kairi vient de voir. Je n'ai pas toutes les réponses, mais tu dois savoir une chose. Ce sont tes souvenirs qui ont créé cette ville, c'est bien ça? C'est ce que l'homme qui m'a donné la carte m'a dit. Alors, ce que c'est français, je ne sais pas. C'est ce que l'homme qui m'a donné la carte a dit. Je ne sais pas si c'est français, mais bon. Si c'est vrai, alors cette ville n'est qu'une projection de ton esprit. Et nous aussi. Et bim! Voilà la révélation. Mais tu ne peux pas être une image. Tu te tiens devant moi. Cette ville est là aussi. Et tout. Ok. Mais je ne suis pas vraiment moi. J'oublie ce dont je devrais me souvenir. Je vois ce que je devrais pas voir. Méfie-toi de tes souvenirs, Sora.
Voilà, donc là, c'est quand même. Donc, on nous apprend que c'est carrément les souvenirs de Sora. Lors de ton voyage, tu seras confronté à d'autres illusions. Parfois, tes souvenirs essayeront de te duper. Donc là, en gros, tous les souvenirs vont se jouer sur Sora. Ça va être les souvenirs de Sora vont jouer un peu avec Sora. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ça veut dire quoi, au juste ? Sora, je ne suis qu'une illusion. La vérité est hors d'atteinte pour moi. Ne dis pas ça, c'est triste. Complètement, je suis d'accord. Tu ne dois pas laisser les illusions te détourner de ce qui compte vraiment. D'accord. Sora ! Tu es prêt à partir ? Oui, j'arrive. Et bim ! Viens, Harry, il faut que j'y aille. Puis Harry. Harry ? Quoi, tu parles d'Harry ? Disparu ? Je lui parlais, elle s'est volatilisée. Bim, bon. Ouais. Harry est parti avec Léon, les autres, tu te souviens ? Comment ? Tu restais là tout seul, on se demandait ce que tu faisais. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà donc ce qu'elle voulait dire. Voilà, quand elle disait les souvenirs de Sora vont essayer de duper, bah c'est un peu ça l'idée, quoi. Et donc on a fini la ville de Traverse. Néanmoins, on a une chose encore à voir. J'ai encore une toute petite chose à essayer de vous montrer. On va aller ici. On va finir par cette salle. Et on va finir par un lieu assoupi parce que je vous ai pas encore montré. Vu que je vais jamais les utiliser, on va prendre une carte 4. Hop, la plus petite. Hop, j'accélère un petit peu. Donc voilà, là les sans-cœurs ne bougent même pas, c'est pour vous dire. Oh, on récupère des choses bien, je trouve. Donc on va finir par quelques combats. Hop. Donc là les combats se finissent très 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 rapidement. Hop. Wow, tu vas te calmer toi. Et non mais viens là, point d'XP, tu serais gentil. Aïe 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 aïe. Allez. Boum. Donc voilà, hop, à quoi ressemble un lieu assoupi. En gros, ici vous voyez, bah il y a une couronne. Qui signifie suite de l'histoire ? Une histoire alternative ? Donc en fait, vous pouvez voir que... Allez ! Qu'on a des cartes jaunes comme ça. Mais ces cartes jaunes, il faut les débloquer dans des combats. Sauf que bah, ça se débloque aléatoirement. Ce qui fait que bah on n'aura pas les cartes... Les cartes jaunes bah, comme ça. Ce sera du aléatoire. Et à savoir que quand on... quand on a une carte jaune et qu'on débloque cette salle, on a accès à un coffre qui nous donne une carte plus puissante que ce que le monde pourrait donner. Voilà. Par exemple, là, le monde, ici, va donner, comme vous avez pu voir tout le long bah, de ce monde, justement, des chaînes royales. Bah, par exemple, il va donner une carte plus puissante que la chaîne royale. Un peu plus puissante que la chaîne royale. Voilà, donc c'est ça un peu. Donc quand j'aurai des cartes jaunes, j'essaierai de les utiliser à bon escient. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'a pas été très très longue, parce que je peux voir d'ici 54 minutes. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle a duré super longtemps, donc je pense que cette fois-ci, elle sera en un seul épisode. Je pense d'ailleurs que ce sera le seul épisode qui sera bah, en une seule partie, qui sera en deux épisodes, le seul monde en deux épisodes, parce que les autres épisodes, je les ferai, les autres mondes plutôt, je les ferai en entier, en un seul épisode, qui sera séparé en plusieurs épisodes, comme vous avez pu voir dans le premier. Donc voilà, donc cet épisode est enfin terminé, oui. Mais il m'a redonné envie de faire des vidéos sur Cache. D'ailleurs, je pense que je vais continuer sur la lancée. Je vais faire un autre épisode à la suite. Mais bon, sur ce, pour l'instant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le Lucky Défi qui est sorti récemment.
pour voir à quel point je suis une merde à Minecraft et à quel point j'ai réalisé le record absolu. Bref, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Cuba. Je pense qu'il est en train de préparer sa deuxième vidéo, tout comme moi. Mais n'hésitez pas quand même à aller voir sa première vidéo pour l'instant. Il faut aller la voir, c'est une obligation, je vous l'oblige. Parce que Cuba, c'est le bien. C'est le bien deuxième du don, voilà. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens, et à la prochaine.